Moi, ce qui m'a donné envie de faire un film avec Yakari, c'est que dans Yakari, il y a tous les éléments pour une grande histoire sur un grand écran. Les grands espaces, de la nature vierge. L'univers de Yakari, c'est le continent nord-américain, les espaces totalement vierges, un paradis perdu, les êtres humains qui vivent totalement en harmonie avec la nature. Et ce personnage, et tous les personnages qui l'entourent, les personnages de sa tribu, mais ce personnage-là en particulier, Yakari, qui a une force incroyable, une vitalité et une détermination incroyable. Yakari, ce qui fait sa particularité, c'est que Grand Aigle, son animal totem, lui confie un don incroyable, celui de pouvoir parler et de pouvoir se faire comprendre des animaux. Ça donne lieu à des scènes de comédie dans le film. Et là, on verra bien si je sais vraiment parler à tous les animaux. Et ce petit chien, il n'a pas l'air assez fort pour le protéger. Les oiseaux, je vous comprends, vous savez. Quoi? Vous n'auriez pas vu un Xavier restaurant Giacometti passé par... is the scriptwriter and the director of the film with talented co-director Toby Genkel. They've both united very strong talents and a great team. Artistically speaking, we've made really choices that are simple but complex in their meaningfulness. Xavier, with the contribution of Toby, have really again worked on this special sort of approach, which hopefully will sort of underline all the essentials of the storytelling and the characters. Our film, Yakari, is based on an original script. It's adapted from the first book of the collection of comic books created by two passionate authors, Dori Ben Job, published at Le Lombard. Both authors were really driven by their passion of wilderness, their immense Sioux culture, and they've really given a lot of this storytelling throughout many generations now. Un jour, il y a un petit bonhomme qui est arrivé et il s'est appelé Yakari tout de suite. J'ai rencontré André Job, qui cherchait un dessinateur de bande dessinée. Et comme il aime beaucoup les Indiens et les chevaux aussi, et bref, il a été séduit, Job, par le dessin de Yakari. Et petit à petit, on a monté un univers autour de ce petit personnage. Yakari n'est pas un héros de western. Il rencontrera jamais les Blancs. Les colons, il n'a jamais eu une Winchester, un Colt, rien. Et c'est un enfant de la terre-mère. Le travail avec les auteurs de l'œuvre d'origine, de Rib et Job, a été l'un des facteurs clés dans le développement du film. Donc ça a été un travail passionnant d'approfondir avec eux certaines thématiques qui n'avaient été abordées qu'assez rapidement, finalement, dans la bande dessinée, et d'imaginer avec eux cette histoire inédite, mais qui préserve, et ça c'était capital pour nous, des moments clés de la bande dessinée. Cette aventure continue, prend des proportions encore plus importantes, et on se réjouit bien évidemment de voir le résultat au cinéma sur grand écran. Yakari existe, c'est magnifique quoi. Tout le travail de mise en scène du film a été concentré sur la découverte d'un univers à travers les yeux d'un enfant. L'amitié entre Yakari et Petit Tonnerre, c'est vraiment le cœur de notre histoire. Petit Tonnerre ? Cette rencontre qui se déroule au début du film, entre Yakari et Petit Tonnerre, est comme, on peut imaginer, un peu comme un coup de foudre. Et à partir de ce moment-là, pendant tout le film, Yakari va se battre pour devenir l'ami de Petit Tonnerre, le Mustang, le plus rapide et le plus fougueux de toute la plaine. Il pourrait rester sur la dernière pause. La relance. Hop, la relance en fin de plan, elle n'a pas de sens. Si, il fait. Un peu comme ça, là. Tu vois ? Peut-être pas la peine, il faut qu'il enlève une phase, là. Hop, hop, tu vois ? Ouais, ça bouge un peu aussi. Je crois qu'il y en a une de trop. Tout est pensé pour faire des images
attractives et qui font que les enfants... Déjà, c'est un beau livre d'images. Et après, le mouvement vient un petit peu après, en fait. On essaye d'être juste, d'éviter tous les mouvements inutiles, qu'il n'y ait pas des actions majeures simultanées. On est dans la clarté, la sobriété, et c'est très difficile à faire. C'est une histoire d'authenticité. En fait, il y a une palette très large. Ça peut être réaliste, ça peut être un peu cartoon, ça peut être un peu comédie, ça peut être un peu grave. C'est riche. Un cheval libre ne peut pas vivre parmi les humains. Là, on regarde que ça. Hein. Il est bien, là. Il est super. Hein. Il est super bien. Là. Avec les animateurs, on a beaucoup parlé des personnages, beaucoup parlé du caractère des personnages, de leur dynamique, de comment ils se déplacent, à quel rythme. Mais essayer de travailler sur la lisibilité des plans. Un cadre cinéma, il y a beaucoup de choses dans un plan. Évidemment, il y a le décor. Il y a des éléments comme les personnages, il y a des effets spéciaux, il y a de la lumière, il y a des ombres. On a essayé de travailler sur une extrême lisibilité, que l'attention du spectateur soit portée sur un point, là où on veut diriger l'œil du spectateur pour raconter l'histoire. Au revoir, les castors. Au revoir. En avant, youpi. Et je pense que la qualité de l'animation est un élément clé pour faire passer les émotions. Et le fait de faire presque 80% de l'animation en Belgique n'est pas anodin. Il y a un vrai savoir-faire de la part du studio DreamWall dans le domaine de l'animation 3D. Et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée que c'est la participation de DreamWall à ce projet. Mon travail a été basé sur vraiment une seule réflexion. Ça a été comment retranscrire en image une émotion. Voilà, si je peux... C'est vraiment à chaque plan que je voyais, à chaque plan qu'on élaborait avec l'équipe, c'était la question qui me revenait régulièrement. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver, en tous les cas, à chaque fois, comment on fait transmettre l'émotion au travers de cette séquence. Le film comporte énormément de lieux. On change de lieu, donc on change d'ambiance. D'accentuer les grands espaces, ça c'était important. Parce que les personnages se baladent énormément. C'était qu'on puisse vraiment ressentir la profondeur dans les décors. De ressentir qu'un élément pouvait être vraiment très très éloigné. Donc on a tenté de retranscrire ça au mieux. Deux équipes ont travaillé sur le film. Donc une équipe qui est basée à Béziers, donc pour la société de DHD. Et une équipe qui était basée en Allemagne. Our part was especially the storyboard and animatic. Also, our part of the production was to do the 2D layout parts of, also the set design, and especially the key backgrounds. In every key background, in every background, you have the entire world and the entire adventure from Yakari. You are really in the middle of his life. Our part of the production is also the compositing. We are doing also the post-production, voice recording, sound design, mixing. On a emprunté des techniques qui viennent de l'animation 2D et de l'animation 3D. On a essayé de prendre le meilleur des deux mondes. Nos décors en deux dimensions ont été découpés par niveau. Et ça forme comme un millefeuille avec tous les arrière-plans jusqu'à l'avant-plan. Et nos personnages, en volume, se promènent entre les différentes couches du décor. Pour obtenir ce rendu de trait du dessinateur Derib, on a travaillé avec Gaoshan Pictures pendant plus d'un an sur l'élaboration du style graphique du film. Gaoshan Pictures prend en charge la majeure partie de la fabrication numérique du film. Avec toute la partie déjà de look développement, donc trouver une image qui satisfasse le réalisateur, les producteurs, mais surtout qui corresponde au dessin original de Yakari. Donc tous les décors sont fabriqués en 2D, et ensuite il y a à la fois de notre part au moment du layout un travail pour mettre en multiplan, on va dire, et aussi de caméra mapping, c'est-à-dire que vraiment certains éléments du décor
vont être projetés sur des volumes 3D afin de pouvoir avoir une caméra qui bouge et rester avec du parallaxe et des choses comme ça. Yakari as a hero, and I think the film is really an invitation to traveling, to imagination, to dreaming, to discovering, and to the value of creating links with animals, with nature, with other human beings. It's a deep story of friendship. This film is really a lot about also the value of bridging and of being attentive to what surrounds you. Today's world definitely needs it. Hi, hey, 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 ho, ha, hey, hi.